קהילה מאוד גדולה של 600,000 יהודים מצרפת. Vous venez d'une très grande communauté juive dans le monde, près de 600 000 juifs en France. אבל יש בעולם עוד קהילה פי עשר יותר גדולה, זה יהודים באמריקה. Mais il y a dans le monde une communauté 10 fois plus grande que la vôtre, ce sont les juifs des États-Unis. אבל השנה, וזה יהיה פעם ראשונה, השנה יהיה יותר עולים חדשים מצרפת, Mais, et c'est tout à fait exceptionnel, ça sera cette année la première fois qu'il y aura eu plus de juifs qui ont fait leur alia de France que de juifs qui ont fait leur alia des États-Unis. Nathan Sharansky vous a dit que nous sommes une grande communauté, mais nous sommes 10 fois moins nombreux que la communauté juive américaine. Mais ce que je peux vous dire, moi qui connais aussi la communauté juive américaine, c'est qu'il n'y a pas de communauté aussi proche d'Israël que la communauté juive française. Je dois dire que c'est la première fois que je viens au Bac Bleu Blanc. Vous êtes très, très, très impressionnant. Très impressionnant. Vous saviez déjà ce qu'était Israël en grande partie. Vous aviez lu dans le Tanakh que Israël, c'était le pays du lait et du miel. Zavat Halav, Halav de vache. Vous saviez aussi pour la plupart d'entre vous qu'Israël, c'était le pays des plages. C'était le pays du désert, c'était le pays du Kotel, mais vous ne saviez peut-être pas, et il a fallu que le professionnalisme de l'agence juive vous permette de le savoir, qu'Israël était aussi le pays de la neige, et que donc on trouve de tout, de tout, de tout dans ce pays. Vous avez eu l'occasion de voir que Israël était avant tout un pays d'opportunités, un pays d'opportunités extraordinaires dans tous les domaines scientifiques, médicaux, technologiques. Et à l'âge où vous êtes, à l'heure actuelle, maintenant que vous êtes dans ces années charnières, où vous êtes en train de fabriquer vous-même votre avenir, où votre avenir ne dépend plus seulement de ce que vos parents ont voulu pour vous, mais de ce que vous, vous voulez pour vous, il est très, très, très important que vous connaissiez toutes les opportunités qui s'ouvrent à vous en Israël. C'est pourquoi je pense que ce voyage est capital, il sera capital dans votre avenir. Peut-être sera-t-il suivi d'autres voyages. Peut-être sera-t-il suivi d'une expérience à ça, et peut-être, évidemment, sera-t-il suivi d'une alia, mais cette alia se fera dans les meilleures conditions possibles et dans la meilleure connaissance de la réalité israélienne. Et c'est pourquoi vous avez tous, nous avons tous, ce même sentiment que nous faisons partie d'un même peuple, d'où que nous venions. Et parmi vous, il y en a dont les arrière-grands-parents venaient des plaines de la Pologne et d'autres des montagnes de l'Atlas. Ils ne savaient même pas là où ils étaient qu'il y avait d'autres juifs très loin dans le monde. Et pourtant, ils priaient tous de la même façon. Ils avaient tous les mêmes traditions et cela remonte à des milliers d'années. Nous sommes tous un même peuple. Et lorsque je vous parle de ce que c'est que l'identité juive, je sais que vous la ressentez, vous, profondément. Je vous souhaite...
voyage, de prendre les bonnes décisions. Et oui, je suis d'accord avec vous, Israël, Haï. J'ai passé une semaine en fait à la découverte d'Israël, surtout pour envisager de faire l'Aliya plus tard. Donc on a visité quelques séminaires, quelques yeshivot, des universités. Et voilà, c'était vraiment génial, c'était une très bonne expérience. Je ne regrette pas de l'avoir fait parce que maintenant voilà, je compte faire mon Aliya l'année prochaine. Cette semaine, c'était vraiment une semaine super. On s'est vraiment tous éclatés, on a découvert plein de choses. Tout s'est très bien passé avec l'aide des Madrichim. Franchement, ça nous a apporté à tous beaucoup. Ça nous a permis aussi à tous de se poser la question, est-ce que l'Aliya est une bonne chose ou pas? Est-ce qu'on doit le faire en tant que juif? Et bon, j'espère que ça a fait en tout. Ceux qui ne voulaient pas forcément le faire, ils ont maintenant le doute. Et ceux qui voulaient le faire, la confirmation. Ce voyage m'a ouvert l'esprit, il m'a permis de bien voir que c'est ici que nous devons être, qu'il m'a permis de voir plein d'opportunités et pour me diriger et pour venir ici l'année prochaine.